vont recevoir une vue à 360 degrés de la finance. Ils vont avoir des cours, bien sûr, qui seront donnés par des professeurs de Dentsia et des professionnels de la finance, en français et en anglais, et qui vont aller de la finance d'entreprise à la finance de marché, de l'optimisation du rendement au contrôle du risque. Donc il faudra toucher à tout, genre faire du risque opérationnel, faire de la corporate, faire financial markets, juste pour voir qu'est-ce qui se passe entre les deux et ce vice-versa des deux facettes. On a un premier trimestre en fait qui est dédié au corporate finance, aux fusions-acquisitions, et qui est extrêmement intense, extrêmement poussé, et qui rend nos élèves des experts. Et on a un nombre assez conséquent chaque promo d'étudiants qui trouvent des stages et même des jobs dans des fonctions de M&A. J'étais ravie de voir qu'on a un réseau très élargi. On a l'occasion de parler aux anciens alumni de l'école, voir où ils ont été débouchés, prendre contact pour avoir plus d'infos, pouvoir envoyer nos CV, pour pouvoir candidater. C'est pas juste au niveau de la France, mais on peut trouver un ExoDentsia au Canada ou un peu partout. Il faut être confortable avec les chiffres. On n'a pas besoin d'être un rocket scientist, hein, comme on dit. Il faut juste être confortable avec les chiffres. Il y a des formules, il y a des calculs à faire. Il y a plusieurs aspects auxquels on fait face pour pouvoir surmonter la matière qui nous fait plus peur. Ils vont aussi devoir faire un stage en entreprise, préparer une thèse, la défendre devant un jury. Moi, je vois qu'il y a plus de pratique dans ce qu'on fait que juste des cours à la théorie. Donc on est plus apte à être des techniciens dans la matière. Et quand ils auront fait tout ça, ils auront dans la main un pass en fait, qui va leur ouvrir un tas de portes dans le monde de la finance, vers des banques, des institutions financières, des courtiers, des cabinets de consultants, des cabinets d'audit. Le Master FRC, c'est le passeport vers le monde de la finance.